De ouf. Alors, 2, 3. Non, nage pas, nage pas. Voilà. Allez. Le 2, ça doit être lui. Non, je suis là. Allez. Voilà. 3. Et 1, normalement, c'est lui. Prends ton temps, surtout. Bon. Maintenant, ça va être une autre paire de manches pour tuer Goma. Parce que, au niveau de l'œil et de ma visée maléfique... Quoique non, en fait, avec la visée Z, ça devrait aller. Oui, oui, on te voit, on te voit. Ah, ils ont fait exactement la même cinématique. Ça va, ça va, ça va le faire. Je l'ai mis bien cher là. Allez, vas-y, ponte tes œufs. Parce que de toute façon, je ne pense pas réussir. Esquive. Ah, par contre, tu vises pas. Ah, il en a visé deux. Non, non, non. Ah là, ce système de. Allez, décède. Ça y est, ça s'est bien passé. Bon, en même temps, c'est le premier boss du jeu, et en théorie, il est loin d'être difficile. Hein. Du coup, elle s'enfuit. Oh, j'ai gagné un cœur, ouais, c'est vrai. Prenons ce réceptacle. Ah, il continue d'attaquer quand même, hein. Il va mourir. Voilà, moi je nettoie l'arbre mojo. C'est bon. Allez, on y va. C'est pareil, on voit des petits défauts là dans le halo de lumière. Bon. C'est pas fou quoi, c'est pas fou. Donne-moi la pierre. Ah, il y avait une autre fée devant l'arbre mojo. D'accord. Mmh.
Et voilà. Oh la vache, c'est super beau. La texture, quoi. La texture de la pierre, elle est magnifique. Voilà, l'arbre Mojo est décédé. Bon, on peut toujours aller dans son corps pour continuer le donjon, mais là, visiblement, j'ai fait tout ce qu'il y avait à faire. Vu qu'il n'y a pas les coffres, etc. Ah, d'habitude, tu m'empêches de passer. Ah, d'accord. Normalement, il nous dit... l'arbre Mojo est mort, qu'est-ce que t'as fait? Il nous engueule, quoi. C'est le chef du village. Comme il nous aime pas, bah voilà. Bon, ici, on n'a plus rien à faire. On n'a pas spécialement besoin d'argent. Saria, est-ce qu'elle nous dit quelque chose de plus? Ah non, elle nous dit rien de plus. Alors, j'avais découvert un bug aussi pendant ma phase de test. Je vais le faire rapidos, j'espère que ça va pas être trop chiant. Normalement, alors je sais pas si ça marche quand on prend l'échelle d'en bas. Non. Là, ici. Ici, quand on prend l'échelle. Non, c'est pas comme ça. Ça doit être. Alors. Ici, quand tu prends l'échelle, là, et tu fais ça. Voilà. Et là, t'as une échelle invisible qui t'emmène très haut. Alors, j'ai pas essayé de monter super haut. J'étais jusqu'au feuillage, après je me suis arrêté. Là-bas, on voit le coffre avec l'épée Kokiri qui était dedans. Bon, là, on commence à voir un peu en dehors des murs, hein. Et par contre, si je désactive la visée, je sais pas si ça me fait tomber. Je sais que si je fais down, bon, on tombe. Et on prend un cœur de dégâts. Je sais pas jusqu'où on peut monter en fait. Mais je voudrais pas faire planter le jeu, donc on va. Voilà, là j'ai arrêté de viser. On est super haut. Si on lâche. Voilà, on tombe et on revient là, donc rien de bien grave. Voilà, un petit bug, voilà, que j'avais trouvé rigolo. Je voulais vous montrer. Allez, ça c'est sur la route. On les prend. Nous quittons la forêt. On n'a pas été dans les bois perdus. Ah, j'irais bien quand même essayer. On peut pas y faire grand-chose, je pense, pour l'instant, mais... En fait, non, il n'y a pas besoin d'appuyer, c'est juste que c'est un peu plus long qu'avant. On va le prendre aussi, celui-là, il traîne. Hop. Je devrais voir les bois perdus. Même si on n'a pas grand-chose à faire dedans, je devrais voir la gueule qu'ils ont. De toute façon, je suppose que tous ceux qui regardent cette vidéo ne sont pas des gens qui ne connaissent pas le jeu. Donc vous devez probablement vous émerveiller autant que moi. Allez, ne plante pas. Ah, il y a un petit défaut par contre. Oh non, qu'est-ce qui se passe? Ah, je crois que j'ai fait planter le truc. Eh merde. Ouais, parce qu'on n'est pas censé sortir par là. Alors si. Si je fais ça, résume game, exit, ça va me faire revenir
sur l'écran, même pas sur l'écran titre, ça me fait quitter complètement. Edit contrôle graphique. Bon, alors ce que je vous propose, c'est qu'on va s'arrêter là. Je vais charger la partie en espérant que ça va sauvegarder quand même. Et on se fera un deuxième épisode de. Voilà, j'espère que ça vous plaît. Moi, en tout cas, ça me plaît. J'adore ce jeu et là, le revoir comme ça, aussi bien fait, c'est super cool. Allez, salut à tous.